les capables de nous vendre des conseils précieux, Robert. Donc, l'intérêt qui nous portait, bien sûr, à toutes les disciplines sportives, et bien sûr, le culturisme ne fait pas exception. La New Bodybuilding Federation a donc ce président sur le plateau, Richard Albert, accompagné des autres dirigeants de la NBBF, Pritam Ramtohal et également Raj Hari. Richard, d'abord, félicitations au nouveau mandat comme président. Objectif 2017, peut-être faire mieux que l'année dernière. Alors, automatiquement, il est pour mieux, parce que le nombre d'athlètes a augmenté dans la fédération, et le nombre de clubs a augmenté, et le nombre de compétitions aussi a augmenté. Nous avons 11 compétitions cette année-là, et nous avons 10 nationales et internationales. Et quand on peut dire le nombre de compétitions l'inaugmenté, philosophie aussi, c'est toujours travail pour amener le nombre de Mauriciens vers la discipline qui vous dirigez, mais surtout attirer des jeunes. Voilà, comment toute fédération travaille, si nous travaillons comme ça, ok, ben jeunes qui finit l'école, qui peut travailler et manuel, hein, qui travaille, alors nous encourageons pour rentrer dans sa discipline-là, alors il y a une compétition dans un autre endroit. Je suis capable de participer et je suis capable à le pompon international. Donc, nous avons trouvé précédemment, si ben jeune aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, peut faire un travail côté Pédonzot, tous les moyens de réussir dans la vie, donc côté académique, côté art, côté culture, etc. Donc, il y a une fédération qui peut jouer ce rôle, et c'est ce rôle, c'est encadrer sa ben Mauricien là et vous faire une activité, voire peut-être un loisir sain. Mais voilà, parce qu'un jeune, il finit l'école, alors il arrête l'école à l'âge de 16, 17, 18 ans, 19 ans, right? Mais il y a le travail, il est retourné, hein? Je sais pas, il y a un mécanicien, il y a un maçon, il y a un planteur, il y a un quoi, mais qui se roule? Alors nous, dans la fédération, ben, nous basés partout à travers l'île, right? Mais là, nous cadrer ce jeune là. Nous risons parce que nous mettons une discipline, même physique. Alors, même physique, c'est pas une discipline, il n'est pas dur comme un bodybuilding. Alors, et la jeune, pas content, bodybuilding, anti-maillot, l'eau, la scène. Même physique, c'est mettre saut, hein, cette symétrie athlète là. Alors, beaucoup de jeunes, ils rentrent là-dedans. Beaucoup de jeunes, ils intéressés, parce que il n'est pas une discipline dure. Ou pas venir rentrer en bas une poisson kilo, non. Il y en a beaucoup, et cardio, et main libre, faire les cours définis. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Et Mr. Mauriciens, l'année 2016, nous avons environ 30 athlètes qui ne prennent pas au domaine physique. Justement, Albert, comment je fais pour vers ce jeune-là? Est-ce qu'il y a un club, un appel? Bon, alors, dans une région? Quand nous faisons une compétition de bande régionale, hein, deux ans, nous faisons compétition de Tour de Douce dans l'Est. Hein. Première année, en 2015, j'ai environ une vingtaine d'athlètes. Deuxième année, 74 athlètes, d'entre ou de douce. Nous passons un message à travers dans compétition. Après, nous passons Facebook, nous avons toujours des affaires. Mais ben, je suis content pour venir de compétition. Alors, les là, je te rends compte. Recrutement, les là. Quand ça s'agit pour rentrer, c'est un du monde reste Sainte-Croix. Nous canalisons dans un club Sainte-Croix pour lui. Hein, nous avons environ. Or, nous, de la fédération, nous avons 79 clubs qui sont avec nous de la fédération. Alors, cette année-ci, 2017, The Bronco travaille non pas seulement, et tant mieux, avec les jeunes, mais aussi avec Ben Madame, avec Ben Masters, comment nous dire. Voilà, Ben Madame, ça fait deux ans qu'il nous fait travailler avec Miss Bikini, et nous avons Ben Champion, hein. Nous avons Joa, qui nous a vu nos plateaux, qui nous sortit troisième en France, et qui nous gagne. Miss Bikini l'océan Indien et nous avons Natacha qui nous a gagné Miss l'océan Indien Seychelles, l'océan Seychelles 2016 et puis nous avons sorti second overall. Mais il y a beaucoup de madame qui commence à s'intéresser au bikini et là nous encourageons madame Vini, nous prenons un de ban club mais cette année-ci là nous pouvons commencer le 2 avril Monsieur l'Indépendance. Automatiquement, le calendrier que je peux trouver, Monsieur l'Indépendance, main physique, Miss Bikini et bodybuilding. Donc, un programme complet. Souvent, nous guettons aussi le concours Mister Mauriciens. Ce sera en novembre.
c'est en novembre. Pourquoi le 18 novembre? Monsieur Mourouchef, le 18 novembre, c'est pourquoi? Parce qu'on a un champion de l'océan Indien le 25 décembre. Alors, le 18 novembre, nous pour sélectionner le meilleur athlète mauricien, on le prend pas à l'île de la Réunion. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dès l'année consécutive, Maurice champion de l'océan Indien. Seychelles, nous avons 8 médailles d'eau, et 3 l'argent, et 1 bronze, l'eau 14 athlètes. Et du reste, comparé à décembre, nous pouvons faire un bilan. Alors, Rajiv est également sur le plateau, Pritam Ramtol, qui est trésorier de la NBBF, et me pensait qu'il lui aussi, il a ce rôle à jouer, travail là qui est commencé, et bizarre, on va dire, mettre les choses sur les bons rails. Oui, juste peut-être pour rectifier les compétitions de Benin, après Mr. Mauritius, c'est le 25 novembre. C'est le 25 novembre, compétition l'océan Indien à l'île de la Réunion. Voilà, le 25 novembre et non le 25 décembre, donc en fin d'année pour vous gagner. Je vais en tout cas, un mois de Noël certainement. Et nous tournons avec Pritam Ramtol, le Sindhiani, parce qu'il y a pas mal d'organisations également dédiées au fin de cause le nombre de clubs qui a affilié déjà avec Zod. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Et dis-nous un peu, au niveau organisation, à l'intérieur, déjà, comment ça a passé? Bon, voilà. Comme annoncé dans la presse le vendredi 3 février, et nous bodybuilding, vraiment, on vient un petit peu pied en avant, et nous faisons l'Assemblée Générale, comme on appelle nous, Annual General Assembly. Nous faisons faire ça le dimanche 12 février 2017. Bien sûr, nous faisons ça à Roseville. Ok? Et puis nous faisons une élection régionale. Régionale, nous avons 9 régions qui représentent le bodybuilding Federation. Right? Il y en a pour lui, Beauvais-Saint-Rosile, Quatre-Bonnes, Bacca-Phoenix, Cupid, Pampemousse, Rivière-Girard-Port, Flac et Grand-Pau. Et chaque région est représentée par des représentants. Et ensuite de ça, là, nous faisons nous. Nous faisons une élection générale pour nous faire élire nous-mêmes membres exécutifs. Alors, vous profitez d'être présent sur le plateau, nous faisons start l'émission avant qu'il nous gagne les propos de Raj Hari, qui Rajiv vous présente avec un palmarès impressionnant. Je finis dans l'émission, c'est un programme qui ministère de l'éducation, il fait là. En tant que dirigeant sportif, peut-être père de famille, comment je trouve ça l'initiative du gouvernement? Moi, je trouve une bonne décision qui peut commencer à prendre nos enfants là, nos bases, comment dire, hein, depuis petit, puis commencer. Mettre le sport dans la tête, pas seulement en éducation, l'éducation, parce que les deux ensemble, ça, l'éducation et le sport, c'est ensemble. Mais ça, le ministre prend une bonne décision, hein, le ministre de l'éducation, qui met sa programme sur place, mais beaucoup d'enfants pour hériter ça. Et peut-être dans 10 ans, 15 ans, nous avons une bonne champion. Hein. Pour motiver peut-être un peu plus bonne jeune qui est avec nous ce soir pour intéresser autres au bodybuilding. Nous avons un athlète avec un palmarès éloquent, Raj Hari, qui est avec nous. Il fait Mr. Quatre-Bonnes en deux occasions. En quatre occasions également, Mr. Mauritius 70 kg. Parmi les autres palmarès, Mr. Rodrigue ou encore Mr. Seychelles. Donc c'est quand même quelque chose. Raj, bonsoir, bienvenue au Saplac. Oui. Et d'abord, dis-nous depuis combien de temps on pratique bodybuilding? À peu près 10 ans. Mais c'est moi, bodybuilding, je voudrais même dire, pour nous arriver jusqu'à là. Donc c'est beaucoup plus sûr de ça. Nous avons nos alimentations, nous manger, pas pareil. Nous devons mettre la masse, après nous retirer. Tout donc, ça, nous trouver. Qui ou bien dévoué ou fin sacrifié ou beaucoup pour arriver ici. Oui, il est vrai parce que beaucoup sacrifice bizarre. Hein? Mais mon courage Banzen, ça là ce qui m'a là. Mon courage Banzen pour venir avoir avec bodybuilding. Alors, finalement, le dernier mot, Raj, oui. Qui ça fait pour toi dans la vie personnelle? Pour le moi, sport. Oui, c'est pour une retournement récent encore. Pour une commande. Ça ne pas pour dire à nous là, je reste toujours jeune avec le sport, grâce au sport. Oui, c'est là, c'est moi, pour mon message qui m'a pour passer, qui me compte tout le jeune pour sport. Pratiquer sport, bodybuilding, n'importe quel sport, mais c'est pratiquer. Pour avoir de la santé bien. Voilà, le message qui vient bien passer ici, Raj, pour le mot de la fin dans l'émission de ce soir.
Oui, Rajiv donc le remercie eux et donc pour le bon travail qu'il peut faire au niveau du sport en général et aussi au niveau du bodybuilding. À Maurice, Robert, moi vous demande nous aussi ou moi aussi moi vous demande nous l'âge, mais ou un excellent sportif, vous servez le sport pendant de nombreuses années et on vous donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine édition sportive. Oui, effectivement, mais avant qu'il nous conclue, il est important pour lui dire que l'émission de ce soir, il est capable de rappeler, encourager nos jeunes à la pratique du sport, que vous ne voulez pas se guimper dès le. Et ça, c'est une très très bonne initiative. Encore une fois, un gros coup de chapeau au ministère de l'Éducation. Nous, c'est une fédération qui lance le calendrier et bien gagne la réussite voulue dans un objectif. Alors, donc, nous donne rendez-vous, téléspectateurs, fidèles de l'émission Sport pour tous dans 2 semaines. Eh bien, nous pouvons faire une pause la semaine prochaine. Nous pourrons retrouver avec d'autres rubriques très intéressantes. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, nous pouvons inviter madame de la Commission nationale du sport féminin qui vous présente, qui vous cause un peu le sport au féminin. Très bien, Robert. Un ardent défenseur nous connaît de la cause féminine sur le plateau du sport pour tous. Donc, merci à toute l'équipe. Donc, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans 2 semaines. Bonne fin de soirée sur la MBC. Nous retrouvons très rapidement.